Bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue dans notre émission phare Audience. Audience ce soir a le plaisir de recevoir un jeune talent, un jeune leader, un jeune entrepreneur qui s'appelle Malik Badji. Malik, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bienvenue sur notre plateau de Africa Today. Merci de me voir. Malik est venu dans le cadre de YALI, YALI Young African Leader Initiative, qui a été initié par le président Obama en 2013. Nous allons parler de YALI, nous allons parler d'entrepreneuriat, nous allons parler de leadership. Mais bien sûr, nous allons nous focaliser sur ce que j'appelle le panafricanisme et l'implication des Africains, surtout les jeunes leaders et jeunes Africains, dans le développement, le processus de développement et de progrès de notre cher continent, Afrique. Malik, parle-nous un peu de vous. Alors, moi, je suis un jeune Sénégalais qui était à la base formé en tant qu'ingénieur informatique. Mm-hmm. Je travaille un peu pour, entre guillemets, le service public, l'État, genre par la DIE et la Commission de protection des données personnelles, vite mm-hmm. fait. Et puis, de là, j'ai toujours été passionné par tout ce qui est design, tout ce qui touche au monde créatif, on va dire. Mm-hmm. Les arts, la peinture, la musique et tout. Donc, de là, j'ai poursuivi ma passion dans le design. Mm-hmm. Et j'ai créé une marque vers 2013, comme ça, de vêtements, qui s'appelle Niofar. Niofar. Donc, en 2014, Niofar a connu un succès. Mm-hmm. Du coup, j'ai... on va dire quitter mon travail pour me consacrer sur la marque et devenir une entreprise. Mm-hmm. Et puis voilà, donc là maintenant je suis à 100% dans la marque en fait. Dans la marque, ce qui vous a valu un voyage dans le cadre de YALI aux États-Unis. Voilà, donc c'est le YALI, c'est surtout le parcours que tu as mm-hmm. qui fait qu'on te sélectionne, parce que voilà, la sélection a été dure parce qu'on est en tout, on est 700 mm-hmm. et sur 39 000. 700 au Sénégal? Non, 700 dans l'Afrique, sur 39 000 personnes qui ont déposé. Voilà, donc c'était un peu, comment on dit, tough. Mm-hmm. Mais voilà, Dieu merci, on a été sélectionnés. Et voilà, surtout dans l'impact de la marque. Parce que comme tu as dit tout à l'heure, pour parler de panafricanisme, en fait, les projets qui ont un impact dans l'Afrique sont pas favorisés, mais recommandés. Mm-hmm. Donc, en tant que Niofar, je travaille entre le Sénégal et le Mali. Mm-hmm. Donc, voilà, parce que les tissus que j'utilise sont produits au Mali et la conception de mes produits est faite au Sénégal. Okay. On va revenir dans YALI proprement dit, mm-hmm. Dans Niofar mm-hmm. proprement dit. Ouais. Mais pour l'instant, YALI, mm-hmm. Vous êtes venu dans le cadre de YALI. Oui. Au Sénégal, mm-hmm. Vous y êtes combien? On était 24. 24. Ouais. Et vous êtes arrivé le... On est arrivé le 20, mm-hmm. Après... Le 20 juin. Le 20 juin. OK. Mais on était dispersés dans différentes universités. OK. Donc, parce qu'en fait, il y a trois tracks mm-hmm. dans le YALI. Il y a le public management, mm-hmm. il y a le civic leadership mm-hmm. et il y a business entrepreneurship. Absolument. Maintenant, en fonction du track, on t'envoie dans une université. Okay. Pardon. Moi, du coup, ils m'ont envoyé à Dartmouth College, mm-hmm. dans New Hampshire, mm-hmm. dans la ville de Hanover. Mm-hmm. Donc, j'ai une chance parce que voilà, c'est une Ivy League, mm-hmm. donc c'est une grande université. Donc, du coup, voilà, moi, ça m'a permis d'apprendre de nouvelles choses concernant le business, l'approche entrepreneuriale, l'approche de gérer ton business, de résoudre les problèmes, mm-hmm. voilà, tout ce qui est... Vous avez croisé des Sénégalais, des Africains, à l'université là-bas? Un Sénégalais. Il y a un Sénégalais dans l'université. Ah. Dans toute l'université, il y a un Sénégalais, mais il y a pas mal, il y a des Africains, mm-hmm. parce que voilà, c'est une université quand même, voilà, il faut avoir les moyens, on va dire. Ah. Mais il y a un Sénégalais, quand j'ai eu la chance de croiser un Sénégalais, après il y a pas mal de nationalités, mais ouais, c'était vraiment une très très bonne expérience. Expérience. Ouais. Ok, so, en tant que jeune Africain, en tant que jeune Sénégalais, vous venez dans une université, on vous présente dans un cadre de projet comme YALI, vous mm-hmm. rencontrez un seul Sénégalais, vous venez de dire que mm-hmm. Il faut avoir des moyens. Mm-hmm. Vous savez, le système éducatif au Sénégal mm-hmm. avec tous les problèmes, les étudiants croient que tout doit être donné par l'État. Quelles sont vos impressions après avoir vécu cette petite expérience? C'est ça.
Ça t'ouvre les yeux. Bon, moi, j'ai eu une expérience à l'UQAD parce que j'ai fait anglais pendant 2 ans. Je n'ai pas continué parce qu'il fallait que je continue. Il fallait choisir entre l'anglais et l'informatique à un moment donné. Mais ouais, ça t'ouvre les yeux et ça te dit que, voilà, je ne sais pas quelle approche prendre parce que ça te dit que, ouais, on est assez chanceux parce que l'université est, entre guillemets, plus ou moins gratuite au Sénégal avec des bourses, alors qu'ici, si tu n'as pas les moyens, tu ne vas pas à l'université. Même si c'est public. Voilà. Donc, voilà, il faut... Après, maintenant, le contexte n'est pas le même. Et voilà, donc moi, je ne vais pas tirer sur les étudiants directement, dire que, ouais, il faut que... C'est des responsabilités partagées pour non, moi. Mais ce n'est pas tirer sur les étudiants, mais vous, quand vous rentrez au Sénégal, quel est le discours que vous allez tenir à vos camarades? Aux étudiants, je dirais juste de s'engager plus et de valoriser ce qu'ils ont. Après, maintenant, c'est difficile de leur dire ça parce que pourquoi, en tout cas, mon point de vue, pourquoi beaucoup de problèmes? Parce que souvent, le contenu, en fait, fait que même si tu avances à un certain point, tu es bloqué. C'est le contenu, pour moi, qui amène beaucoup de problèmes. Parce que si tu vas jusqu'en licence et que tu n'as pas une connaissance pratique, c'est des problèmes. Parce qu'après, tu es dans le marché de l'emploi, tu n'es pas... voilà, on te prend, qu'est-ce que tu vas faire parce que tu n'as pas cette connaissance pratique. Ça, en fait, pour moi, ça, c'est mon... Je trouve que c'est le problème fondamental pour moi. Mais même ici, ça, on rencontre ces problèmes parce qu'on alterne la théorie et la pratique. Mais oui. quand l'entrepreneur comme vous, vous venez, vous n'avez pas besoin de quelqu'un qui a une connaissance théorique. C'est ça. Alors, en fait, pourquoi je dis qu'ici, peut-être la chance, c'est qu'ici, le contenu dès le bas âge, selon ce que j'ai vu, il est dirigé vers les trucs pratiques. Si tu veux ça, tu apprends ça. Alors que là-bas, on te donne tout, mais tu n'as rien. Entre guillemets. Parce que tu as beaucoup de matière, beaucoup de connaissances, mais au finish, qu'est-ce que tu apprends en sortant de là-bas? Absolument. Donc, c'est vraiment un sujet très complexe. Du coup, je prends les choses avec des pincettes. Mais vous êtes ambassadeur aujourd'hui de Yali, donc vous êtes tenu à faire des conférences. J'en fais. Donc vous allez expliquer les gens la réalité, bien sûr. J'ai eu la chance d'en faire c'est pas de l'université publique, mais dans des universités privées à Dakar. Moi, mon approche, c'est l'entrepreneuriat. Et mon message, c'est souvent de ne pas attendre. Parce que souvent, j'entends des gens dire, ouais, j'ai un projet, mais j'ai pas de financement. Ma théorie, c'est que si c'est un projet, après, voilà, c'est très relatif encore une fois, mais si c'est un vrai projet, tu peux démarrer avec l'idée. Moi, j'ai démarré avec un t-shirt. Et voilà, après, on dit que c'est pas la même chose, mais voilà, pour moi, il faut prioriser les choses. Tu vas voir un jeune qui va te dire, ouais, j'ai un projet, mais j'ai pas de financement. Tu regardes sa main, il a un iPhone 6, 7, 8 qui vaut 300, 400 000. Au Sénégal, avec 200 000, tu commences quelque chose. Absolument. Tu vois? Donc, il faut prioriser. Pour moi, pour moi, des fois, c'est tellement simple. Il faut juste commencer. Absolument. Après, les gens vont te retrouver. Si c'est un projet viable. Voilà. Donc, il faut vraiment commencer. Je crois que nous devons tous un merci à ce grand monsieur qui est le président Obama, qui a eu l'initiative et la vision de mettre ça en place pour aider, en tout cas, aux jeunes Africains de se responsabiliser et d'avoir une notion d'entrepreneuriat et d'investissement et surtout de civisme, de citoyenneté, de patriotisme. Quand on parle de civisme, de citoyenneté, de patriotisme à l'encontre de son pays, parce que vous êtes venu ici au nom de la République sénégalaise. Donc vous représentez, vous faites partie de ces ambassadeurs aujourd'hui qui, de par leur arrivée ici dans le cadre de Yali, représentent le Sénégal quand même. Qu'est-ce que ça vous fait et quel point de vue avez-vous sur la notion du patriotisme et de la citoyenneté? Je crois que c'est fondamental pour moi, en fait. D'ailleurs, à chaque fois qu'on me demande, ouais, alors les États-Unis et tout, je dis, moi, je ne me vois pas déjà. En fait, ça commence
pour moi, ça commence déjà à aimer le pays. Moi, déjà, à la base, je ne me vois pas vivre ailleurs qu'au Sénégal. Parce que, voilà, j'aimerais bien participer au développement du Sénégal. Et ce n'est pas juste un mot. C'est, pour moi, c'est par l'acte. Ce n'est pas seulement dire, ouais, je fais ça. Il faut le montrer. Même si c'est une petite association, même si c'est un petit projet qui emploie une personne. Parce que, en fait, pour moi, chacun a son combat dans le civisme, dans le patriotisme. C'est dans ton domaine que tu montes ton patriotisme. C'est pas le dire. C'est aujourd'hui, si tu es ingénieur, tu montes ton patriotisme en travaillant, en créant un projet. Si tu ne travailles pas pour l'État, tu crées un projet dans ton domaine qui montre que ce projet est destiné au Sénégal. Donc, c'est ta partie du patriotisme. C'est-à-dire, finalement, c'est un esprit de give back to your community, give back to your country. Right, right. So, moi, en tout cas, c'est mon domaine. En fait, pour moi, même, c'est ma politique. Les gens disent, oui, je suis apolitique, mais pour moi, la politique, c'est l'art de gérer la société. Exactement. Donc, pour moi, ma politique, c'est vraiment la politique de l'emploi. Donc, il y a pas, le Sénégal, c'est un pays très jeune, genre, je crois que plus de 60% ont plus 25 ans. Donc, pour moi, ma politique, c'est vraiment au moins essayer d'embaucher au moins 20-40 personnes. Okay. Ça, c'est ma lutte. Après, maintenant, les autres, on peut avoir une lutte genre, ok, moi, ma lutte, c'est que Dakar ou le Sénégal soit propre. L'autre, sa lutte, c'est ça. Donc, si chacun s'engage dans son domaine, c'est de la politique précis. Et ça fait que les choses avancent. Voilà. Malick Badji, entrepreneur et président de société Niofar, nous avons le plaisir de te recevoir d'après tout ce que vous avez dit en ce qui concerne la citoyenneté, le patriotisme et surtout l'engagement pour son pays. Nous allons passer une page de pub en attendant de revenir pour progresser avec ce que j'appelle le panafricanisme sur audience. À tout de suite. La maison de production Le Phénix Pro vous offre sur un plateau en or deux artistes aux talents multidimensionnels. Et oui, amoureux de la bonne musique, vous l'avez certainement deviné. Le monument de la musique camerounaise, africaine et continentale, j'ai nommé Bazor, Dinabel, sera bel et bien en concert le samedi 27 octobre 2018 du côté de Washington, D.C. Armand Laclasse, le créateur de l'homme scélérat. Mais sinon l'argent est bien, il sera bel et bien là, en spectacle grandeur nature. Un seul événement des Vintage Night. Une seule adresse, 15100 New Hampshire Avenue, Maryland, 2905. Une seule date, samedi 27 octobre 2018, une seule heure à partir de 19h. Après tout, sponsor officiel de Vintage Night. Thank you.
Retour sur notre plateau d'audience avec notre invité Malik Badji, un invité de taille. Pourquoi je dis un invité de taille? Parce que c'est un ambassadeur qui est venu dans le cadre de Yali représenter fièrement et dignement sa nation, sa patrie, le Sénégal. Malik, on va continuer, on va parler de panafricanisme. Vous aimez le Sénégal? Oui. Vous adorez le Sénégal. Vous avez dit tantôt que vous ne vous voyez pas ailleurs qu'au Sénégal. Ouais. Alors, en tant que jeune Africain, jeune leader, quelle est votre ambition pour l'Afrique? Pour moi, ce sera peut-être une répétition, mais pour moi, mon combat pour l'Afrique, c'est l'engagement des jeunes dans l'entrepreneuriat et aussi employer des jeunes. Et après, j'ai une panoplie de projets qui vont de l'emploi ou à women empowerment, c'est-à-dire donner une force aux femmes, surtout dans la zone rurale. Donc ça, c'est aussi une autre facette de moi que les gens commencent à découvrir parce que je commence à mettre des projets en place. Donc pour moi, c'est ça mon projet de panafricanisme. Et ça ne serait pas au Sénégal. Donc pour moi, quand on dit panafricanisme, ce n'est pas seulement comme t'en dis, tu dis tantôt, ce n'est pas de la théorie, c'est de la pratique. Il faut le montrer sur le terrain par l'acte. Donc, et moi, une de mes figures, c'était Sankara. Donc c'est vraiment quelqu'un, en fait, moi, c'est mon inspiration. Thomas Sankara, qu'est-ce qui vous a plu chez Thomas Sankara? C'est tout, en fait. C'est ce que je viens charisme, de dire. Le charisme, l'égalité entre hommes et femmes, la vision, c'est tout, en fait. Genre, il joignait l'acte à la parole. Voilà, l'acte à la parole ou la parole à l'acte, comme on veut. C'est quelqu'un qui, par exemple, me dit « Ouais, on va manger ce qu'on cultive, on va porter ce qu'on fabrique. » C'est l'un des premiers Africains quand même qui a prôné ça. Et moi, étant dans le design, dans la mode, je ne peux que m'allier à ça. Donc, si on comprend aujourd'hui, vous prenez pour une autosuffisance alimentaire, non pas alimentaire, tout. Mais vestimentaire. Tout. Vestimentaire, c'est ça, au lieu de porter des jeans Levi's, des Fubu, des... Exactement. Tu préfères... C'est le port... Exactement. Et y a le contenu, même si ce n'est pas ma marque, il y a tellement de marques qui font de la qualité en Afrique. Et voilà, ça commence. Franchement, même au Sénégal, la conscience commence. Donc, les gens commencent à voir qu'il y a de la qualité. Voilà, il y a des marques compétitives au Sénégal et en Afrique. Donc, moi, c'est ça, c'est une partie de ma... Absolument. Mais la preuve, ce que je viens de porter ici, c'est fait par un tailleur sénégalais, local, ce que vous portez. Exactement. Donc, rien de plus beau. Peut-être les vestes vont suivre. Oui, oui, c'est ça. Ça va venir parce qu'on fait déjà ça. Donc, voilà. Pour moi, c'est ça, montrer qu'on est soit fier d'être sénégalais, panafricain. En fait, il y a un cliché qui est consommer local, mais il faut vraiment l'allier à l'acte. À l'acte dans tout ce qu'on fait. Voilà. C'est ce qu'on mange, ce qu'on porte et tout. Ce n'est pas seulement ce qu'on dit, mais c'est ce qu'on fait. Ok. Donc, 739, vous avez dit. 700. 700. Ouais. 700 Africains. Qu'est-ce que ça vous fait? Vous avez partagé quelque chose avec d'autres Africains, Nigériens, Camerounais. C'était extraordinaire. Quelle est votre expérience? D'autant plus qu'on parle de panafricanisme. Donc, vous êtes appelé à collaborer avec d'autres Africains. C'était vraiment... En fait, je faisais une interview, je vous disais, c'est tellement triste de venir jusqu'aux États-Unis pour rencontrer des frères africains. Imagine le réseau de 700 jeunes leaders africains, c'est énorme. Si tu regardes ce qu'on peut faire ensemble, c'est juste extraordinaire. Donc, et moi, vraiment, c'était une des plus grandes satisfactions de ma vie même. Rencontrer en même temps, parce que j'ai même au Sénégal, j'ai vraiment une panoplie d'amis. J'ai des amis partout dans l'Afrique et je voyage dans pas mal de pays en Afrique. Mais rencontrer en même temps ce nombre, c'est juste extraordinaire. Et tu vois que des fois, en fait, tu vois que genre le monde ne s'arrête pas où tes yeux s'arrêtent. Genre les choses se passent ailleurs. Tu sais, quand tu es au Sénégal, tu crois que ouais, genre c'est mieux ici qu'ailleurs. Mais il y a des gens qui sont vraiment devant nous.
même en Afrique. Donc, en fait, les voir, qu'est-ce qu'ils ont comme projet, voir l'impact de leur projet, ça te pousse à faire mieux pour ton pays et même pour l'Afrique. Donc, voilà, chers téléspectateurs, j'ai devant moi un jeune qui, une fois de plus, a prouvé qu'on peut réussir chez soi. C'est-à-dire qu'on peut réussir au Sénégal. Bien sûr. Et faire et être jovial. Bien sûr. Et vraiment réaliser ses rêves. Bien sûr. Donc, tu ne fais pas partie de ce lot de jeunes qui ont tendance à dire que l'Eldorado, entre guillemets, voilà. À l'étranger, c'est signe de succès. C'est ça. Vous êtes venu ici, vous avez vu comment nous vivons ici en Amérique. Qu'est-ce que vous avez à dire à ces jeunes-là? Voilà, moi j'évite souvent les jugements, donc je ne juge pas parce que chacun a sa réalité. Mais mon conseil, c'est que c'est difficile, d'accord, c'est vraiment difficile dans certaines zones, au Sénégal comme en Afrique, parce que je bouge pas mal, donc tu vois la réalité des gens. Mais moi, je crois qu'ils n'ont pas l'information. C'est surtout ça, en fait. Ils n'ont pas l'information ou ils ne vont pas chercher l'information? Mais je donne un exemple. Tu es dans un village au fin fond de, genre, je ne sais pas... Koulikoro. Qui va te donner cette information? Mais de l'autre côté, est-ce que moi, je me pose la question, comment je vais avoir ces informations? Comment je vais arriver? Mais il faut avoir un certain niveau, soit d'études, soit de conscience, pour aller chercher l'information. Mais si tu grandis dans une zone où tu n'as pas de repères, tu n'as pas de gens... Tu n'as pas accès à l'éducation. Exactement. Les gens que tu connais qui ont réussi dans la vie, ils sont allés en Europe. Absolument. Ils sont revenus, ils ont construit des maisons. Quelle autre référence tu as dans la vie? En fait, c'est ça. C'est pour ça que j'évite de juger. Moi, je préfère dire qu'on leur donne l'information. Mais ça, nous parlons des jeunes qui sont au fin fond de Koulikoro. Qu'en est-il des jeunes qui sont à Dakar, qui sont à Djigansor, qui sont à Thiès? C'est ça. Pour moi, c'est très complexe. Les responsabilités sont partagées. Moi, les jeunes que je peux aller jusqu'à dire « Ouais, je suis contre l'immigration en général. » mais genre, ce que je peux dénigrer limite, c'est en fait, c'est des exemples de gens qui ont, par exemple, avaient leur business à Dakar ou ailleurs, qui ont vendu leur business, prendre une pirogue pour aller. Ça, je trouve ça inadmissible. Okay. Mais après, les autres, pour moi, il faut essayer de comprendre où se trouve le problème et essayer de régler ce problème. Pas juste dire, ouais, il faut arrêter d'aller en Europe et tout. Si tu dis à quelqu'un, arrête d'aller en Europe, tu ne lui donnes pas l'information, tu ne lui donnes pas les moyens, tu ne lui donnes pas la formation. Tout à fait. Tu vois, moi, j'évite vraiment de juger. J'essaie de comprendre le problème. Effectivement. J'essaie de donner l'information et de trouver des solutions, des stratégies pour que les gens restent, mais pas forcément tirer sur les gens qui partent. Absolument, absolument. Pas de jugement, mais tu, en tant qu'ambassadeur, vous êtes en train de... parce que vous parlez en étant aux États-Unis, en ayant vu ce que nous vivons. Là, quand vous parlez, ça peut avoir un impact. Bien sûr. Autres, quand on parle, on nous dit... on peut croire que c'est parce que on a traversé la barrière, la frontière, c'est pour ça qu'on se permet de parler. Mais vous êtes ambassadeur, vous allez repartir au Sénégal et nous espérons que cette venue vous ouvrira les portes grandement ouvertes par rapport à votre business, leadership et tout ce qui s'ensuit. Nous espérons aussi que vous aiderez en tout cas à conscientiser nous autres de la manière dont on doit percevoir ceux qui sont au pays et des gens qui sont au pays de la manière qu'ils doivent percevoir le so-called Eldorado. Tout à fait. Bon, désolé d'avoir coupé, mais tout à fait. Je le fais déjà parce que j'ai eu la chance d'aller en Europe, je suis revenu. Je fais pas mal de talks. Donc, j'essaie de dire... Après, ce n'est pas facile de dire à quelqu'un absolument, ce n'est plus ce que comprends. C'était. Mais j'essaie tant mieux... En fait, parce que si tu reviens, tu leur montres que voilà, donc ça peut se faire ici. Tu peux aller revenir et faire tes choses au Sénégal. Donc, absolument. Moi, c'est ça. Ma... Ouais. Nous allons parler un peu des articles que vous avez confectionnés au niveau de Niofor. Donc, il y a ce sac. On va un peu vous demander le concept... déjà, la matière, c'est fait à base de quoi? Donc, à la base, j'utilise le bogolan. Le bogolan? Le bogolan. Le bogolan? En fait, c'est un mot en bambara qui veut dire fait avec la terre. Ok.
Donc, c'est un tissu traditionnel malien de la tribu des Dogon. Mm-hmm. Okay. Donc, c'est un tissu qui est tellement riche en histoire. Mm-hmm. Parce qu'avant, en fait, ce tissu, il y avait des messages sur le tissu. Mm-hmm. Et que dans la société, en fait, tu portes un pagne en fonction de tes responsabilités dans la société. Absolument. Tu es soit guérisseur, soit chasseur, soit connaisseur. Donc, tu as des couleurs spécifiques ou bien des signes spécifiques que tu portes. Mm-hmm. Donc, j'ai commencé à étudier ce tissu. J'étais tellement impressionné. Mm-hmm. Du coup, je me suis dit, en fait, c'est mon cheval de guerre. Je travaille qu'avec ce tissu pour le moment, en tout cas. Donc, on a l'impression que c'est de loin, on a l'impression que c'est la peau de tigre, tu vois, et ça reflète un peu ce que l'habillement de nos guerriers, de nos ancêtres guerriers ou rois, quand ils s'habillaient, tu vois, en temps de guerre, ou voilà quoi. Donc voilà, c'est pas mal. Donc vous allez jusqu'à Mali pour chercher cette matière. Hein? Voilà, donc à la base, j'ai acheté ça au Sénégal. Parce qu'à la base aussi, il faut savoir que c'était un tissu qui était considéré comme un tissu touristique à Dakar. Parce qu'il coûte cher et c'est seulement les touristes qui venaient l'acheter. J'ai trouvé ça inconcevable pour un tissu aussi valeureux. Et le coton, il est... Comme je répète ce que Sankara disait, il est cultivé au Mali, tissé au Mali, et la teinture est faite au Mali. Au Mali, ok. Donc, c'est vraiment ça aussi que j'essaie de préserver. Et après, j'essaie d'utiliser les techniques de la cordonnerie sénégalaise. Tout le monde sait qu'au Sénégal, la cordonnerie, c'est vraiment un concept ancré. Et le savoir-faire, il est extraordinaire et il est là. Donc, pour moi, il fallait juste le moderniser, le update avec de nouveaux concepts. Et puis, voilà, montrer que le savoir-faire, il est là. Les poches, c'est fait à base de... Du cuir. En fait, je travaille qu'avec du bogolan et du cuir. Le reste, c'est Tout ça, c'est du cuir, quoi. Tout le reste, c'est du cuir. C'est tellement beau, hein, le marron qui reflète un peu la couleur africaine, hein. Les gens disent qu'on est noir, mais je ne crois pas qu'on est noir. Oui, c'est ça. C'est voilà. Voilà, donc ça c'est le sac. Et voilà, ça c'est les baskets. Voilà. Les baskets, c'est genre... C'est vraiment, c'est l'une des premières marques en Afrique de l'Ouest qui fait des baskets. Voilà. Et tout est fait à la main, 100% au Sénégal. Voilà. Donc voilà quoi. En effet... Ça fait penser au cortège, hein? Voilà, c'est ça. C'est vrai. Bon, après, voilà, j'ai grandi avec toutes ces marques, donc forcément, l'influence vient un peu de partout. Voilà. Et voilà, au début, les gens croyaient que j'achète une paire et que je la fais customiser. Donc, du coup, après, je montrais le processus pour dire que tout de A à Z est fait jusqu'au talon, c'est nous qui faisons ça. Ok. Et il y a toutes les tailles, hein? Oui, il y a toutes les tailles. On travaille vraiment avec les standards internationaux. Donc, il y a vraiment toutes les tailles. Il y a différentes couleurs. C'est pas seulement ce modèle. On travaille par collection, en fait, comme les grandes marques. Donc, on travaille par collection. Et puis voilà, là on a eu la chance d'avoir une renommée parce que voilà, on a eu la chance d'être featured dans le New York Times. On a la chance d'être futur dans Jeune Afrique. Dans OK Africa, dans pas mal de magazines, et on a eu la chance aussi d'avoir des clients comme le roi du Maroc, entre autres. Donc voilà, ça nous pousse à aller de l'avant et ça nous pousse à montrer aux gens. Et vous avez un client de plus désormais parce que je suis... Voilà. J'ai commencé à passer mes commandes. Voilà, c'est ça. Donc voilà, on essaie d'élargir la marque. Là, par exemple, on est présent à Dakar, on est présent à Abidjan, on est présent à Accra, on est présent à Bruxelles, et bientôt Paris et New York. Donc on essaie vraiment d'agrandir la marque et de montrer que... voilà, le savoir-faire sénégalais, il est juste extraordinaire. Là, voilà, les Italiens, ils ont peut-être plus de matériel, entre guillemets. Mais le savoir-faire, il est au Sénégal. Et qu'il faut juste, comme je disais tantôt, le mettre à jour. Pour moi, c'est ça, en fait. C'est surtout, encore une fois, le problème de l'information. Voilà. Donner l'information de ce qui se passe vraiment dans le monde pour que les cordonniers ou bien les gens, les artisans puissent s'informer et créer de nouvelles choses. Et vous êtes là jusqu'à quand? Là, je suis d'ici jusqu'à mardi. Après, je vais à New York.
et après pour, de New York, je retourne à Dakar. Ok. Donc, quelles sont vos informations, le website, ou si quelqu'un veut vraiment vous contacter, rentrer en contact avec vous, faire des business avec vous, ou bien vous commander Donc, des articles? Donc, on est plus actif sur Instagram. Donc, c'est Niofar by Milkos, le nom de la marque. Niofar, comment vous l'avez dit? Niofar, N-I-O-F-A-R, by Milkos, M-I-L-C-O-S. Ok. Donc, le, web, le site web aussi, c'est la même chose, niofarbymilkos.com. Et ouais, on est sur Facebook aussi, Niofar by Milkos, on est sur Twitter, on est sur toutes les plateformes sociales. Donc voilà, mais on est plus actif sur Instagram parce que voilà, c'est le monde de l'image, donc on essaie d'avoir une communication qui fait qu'on est plus actif sur ça. Malik, entrepreneur, leader, futur leader africain, panafricain, c'est toujours un ravi de partager ce plateau avec des gens comme vous. Et vous avez l'avenir plein devant vous. Et du point de vue satisfaction de votre voyage, pouvez-vous nous dire un peu votre satisfaction pour quelqu'un qui vient juste de découvrir les États-Unis? Quelles sont vos impressions? C'est énorme, c'est énorme. En fait, après, voilà, il y a des choses que j'avais en tête qui sont fausses, il y a des choses que j'avais en tête qui sont vraies. Donc, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment mitigé, mais c'était vraiment, voilà, c'est une expérience extraordinaire. J'ai fait pas mal de contacts. De partenariat et voilà, être ici déjà invité par vous, donc c'est vraiment un honneur. Et voilà, c'est une expérience et j'espère qu'il y en aura d'autres et que les autres aussi auront la chance d'avoir ces expériences et retourner au pays. C'est pas juste venir et rester, retourner au pays et voilà, pratiquer, mettre en pratique ce qu'on a appris ici. Absolument. Donc, et si vous avez un mot aujourd'hui pour nous, vos frères qui sont ici, les gens qui vous regardent, nos téléspectateurs de Africa Today, la communauté sénégalaise, la communauté africaine, hein, la communauté internationale, et bien sûr, la communauté sénégalaise qui est restée au pays, c'est-à-dire les locaux. Qu'est-ce que, après tout ce que vous avez fait, les entretiens, qu'est-ce que vous leur dites? Moi, à la communauté sénégalaise et africaine qui est là, c'est si vous êtes là et que vous travaillez pendant des années, commencez quelque chose au pays. Même si c'est une petite boutique, mais faites quelque chose au pays. Même si une boutique emploie une personne, au moins, c'est it's an achievement. Pensez au retour. Exactement. Et après, pensez au retour. Mais vraiment, après, les gens qui sont ici, c'est des gens tellement braves parce que si je vois la vie d'ici, c'est pas évident, donc c'est vraiment moi il m'impressionne en fait parce que je crois pas que moi je pourrais vivre ici comme je dis. Donc en tout cas merci à Africa Today, c'est voilà, ce genre d'émission ça pousse aux gens, aux autres de voir ce qui se passe ici et les réalités et voilà, c'est des opportunités pour nous aussi de mettre en lumière ce qu'on fait. Absolument. Et puis voilà, ça fait vraiment plaisir. En tout cas, c'est un honneur, chers téléspectateurs, ceci met fin à notre émission. Audience de ce soir, on a eu l'honneur de vous présenter ce jeune leader, jeune entrepreneur africain qui est venu nous présenter certains de ses articles comme ses baskets, le sac, etc. Sur ce, nous vous donnons rendez-vous sur un autre numéro d'audience une prochaine fois, et bien sûr avec un autre invité et pour parler d'autres thèmes. Mais en tout cas, ce fut un plaisir de partager cette émission avec vous ce soir. Merci, à très bientôt. Merci, merci. Bienvenue et bon retour. Merci. Ok. Merci.